Voici la méditation du cinquième chakra, le chakra jaune et du plexus solaire. Vous pouvez utiliser comme musique la musique de Jean-Marc Stallé sur les 12 chakras, une musique solaire, rayonnante, joyeuse. Vous avez préparé les outils que vous posez à côté de vous. Le cristal qui est la citrine, le parfum la centauriale jaune si vous l'utilisez, ou une huile essentielle, ou un élixir. Vous vous êtes préparé, vous êtes assis confortablement, vous vous posez et vous respirez le parfum ou l'huile essentielle que vous posez au creux de votre poignet. Frottez vos deux poignets l'un contre l'autre, vous laissez évaporer l'alcool et vous sentez profondément trois fois le parfum. Le temps que l'information aille au cerveau et qu'elle soit dispatchée ensuite à votre corps énergétique. Ensuite, vous prenez la posture du Bouddha de la chance et vous portez votre attention, le temps de la pose de ce Mudra, sur votre respiration avec trois respirations à votre rythme profonde avec l'inspire et l'expire, une respiration ventrale. Et ensuite, vous relâchez les bras, les mains. Et vous prenez le cristal, la citrine. Vous entrez en contact avec cette entité de lumière qui communique également avec vous sous la forme de son aura, de sa vibration, de sa lumière qui se déploie peu à peu au creux de votre main, amenant ainsi une douce chaleur qui se propage dans votre main, dans toute votre main, autour de votre main, dans votre aura, et qui va se diffuser peu à peu dans tout votre corps en passant par le bras, votre épaule, l'autre bras, l'autre main, votre tête, votre buste, vos hanches, vos jambes et vos pieds. Et la vibration de la citrine va ainsi prendre place dans votre corps, mais également dans votre aura et plus particulièrement sur le corps qui est en relation avec le chakra solaire, le chakra du plexus, et qui est le corps solaire que vous visualisez tout autour de vous et qui prend cette belle couleur jaune et cette belle vibration de la citrine. Et plus particulièrement, la citrine va prendre place sur le chakra du plexus, amenant ainsi les bienfaits dont vous avez besoin, dont nous avons besoin.
Et avec amour, respect et gratitude, nous remercions par avance la citrine et toutes les forces en présence. Nous portons toujours notre attention sur notre respiration. L'inspire, l'expire à notre rythme. À l'écoute de nous-mêmes. Nous sommes reliés au ciel comme à la terre. Nous sommes reliés au ciel par un filament de couleur or qui part du sommet de notre tête et qui se dirige jusqu'aux confins du cosmos. Nous sommes reliés à la terre par nos pieds et un filament de couleur argent qui part de nos pieds et qui se dirige jusqu'au centre de la terre. Amenant ainsi la lumière céleste à pouvoir descendre par le filament de couleur or, par notre tête, suivant notre colonne vertébrale, nos hanches, nos jambes, nos pieds, et suivre le filament de couleur argent. Partir à la rencontre de la lumière terrestre. Ces lumières s'unissent et s'enrichissent. Et la lumière peut ainsi remonter pour nourrir, alimenter, renforcer les 12 chakras. Elle remonte le long du filament de couleur argent pour arriver jusqu'aux pieds, au chakra des origines, et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra des origines. La lumière remonte à présent jusqu'au 2e chakra de base et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra de base. Puis la lumière remonte jusqu'au 3e chakra, le chakra sacré, de doigt en dessous du nombril. Et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra sacré. Et la lumière remonte jusqu'au 4e chakra, le chakra de la rate. Et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra de la rate. Et la lumière remonte jusqu'au 5e chakra, le chakra du plexus. Amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra du plexus. Manipura chakra. Et là, nous retrouvons notre cristal, la citrine, rayonnante, chaleureuse, réchauffante, remplie de joie et d'optimisme, qui nous montre la voie de la lumière
et de la foi. Elle diffuse sa lumière jaune, cette lumière solaire. Et cette couleur jaune nous emplit d'une joie indicible, rayonnante, recherchant le pouvoir de la vie en toute chose, en tout être, le pouvoir de la lumière, le pouvoir d'éveil, le pouvoir de grandir et de voir grandir l'autre, la couleur jaune. C'est aussi le Père qui dirige, qui montre, qui enseigne, qui montre la voie et le chemin. Cette lumière qui illumine tout et qui nous dévoile aussi notre ego, cet ego qui nous permet d'avancer, qui nous montre aussi nos dualités, mais pour mieux les confondre et les unifier. Nous répétons à présent la phrase mantra 3 fois du plexus solaire. Je suis l'infiniment petit et l'infiniment grand, et toi aussi. Je suis l'infiniment petit et l'infiniment grand, et toi aussi. Je suis l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et toi aussi. Et je répète 3 fois le bija mantra. Ram. 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 Et la lumière repart dans sa poursuite vers la lumière céleste et monte à présent jusqu'au 6e chakra, le chakra du cœur, et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra du cœur. Puis la lumière remonte jusqu'au 7e chakra, le chakra conscience, et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra conscience. Et la lumière remonte jusqu'au 8e chakra, le chakra alta-major, et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra alta-major. Et la lumière remonte jusqu'au 9e chakra, le chakra laryngé, amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra laryngé. Et la lumière remonte à présent jusqu'au 10e chakra, le chakra frontal,
et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra frontal. Et la lumière remonte à présent jusqu'au 11e chakra, le chakra coronal. Et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra coronal. Puis la lumière remonte à présent jusqu'au 12e chakra, le chakra lumière. Et amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra lumière. Et la lumière remonte ainsi par le filament de couleur or pour rejoindre la lumière céleste. S'unir, s'enrichir et de nouveau redescendre en passant par le filament de couleur or, la tête, la colonne vertébrale, les jambes, les pieds, le filament de couleur argent, rejoindre la lumière terrestre, s'unir, s'enrichir, puis remonter, redescendre. Dans le mouvement infini de la vie, amenant ainsi à chaque passage un peu plus de lumière dans chaque chakra, dans chaque corps et dans la totalité de l'aura. Et nous faisons appel à l'ange qui est relié au chakra du plexus solaire, l'ange Nitaël de sa belle couleur jaune, qui porte une belle robe de couleur jaune. Nous l'appelons par trois fois. Nitaël, Nitaël, Nitaël. Nous le visualisons, nous le ressentons, nous le voyons. Et toute son aura nous enveloppe. Et Nitaël va nous suivre ainsi toute une semaine, si nous le souhaitons, nous enseigner, nous accompagner et nous amener plus particulièrement un souhait, un cadeau que notre âme recherche au plus profond d'elle-même. Quelque chose que nous souhaitons, que nous recherchons. Nous nous permettons ainsi de le recevoir, de l'accueillir, d'ouvrir les portes pour voir, entendre et comprendre. Que ce cadeau, ce souhait, nous le désirons vraiment et que nous acceptons de ne plus mettre d'entrave, de blocage. Au contraire, nous nous posons dans le lâcher-prise et l'acceptation. Et nous en remercions grandement. L'ange Nitaël. Puis nous reviendrons tout doucement à notre rythme en ce lieu, en cet instant, ici et maintenant.